Adieu Pétole, t'aimes ça te marrer et faire marrer les gonzesses? Ça c'est top. Alors rejoins-nous sur la route du rire avec le garage Gaillot Automobile à Aigle-et-Montaigne. Ça c'est top, top. Et go moteur. Le garage Gaillot Automobile, partenaire du Swiss Comedy Club. Bonsoir à tous, vous allez bien? Oui. Vous allez vraiment bien? Oui. Je sais ce que vous pensez. Les femmes, vous vous dites « Waouh, quel charisme !» Et les hommes, vous vous dites « Waouh, quel connard !» Et je vous comprends, les mecs. Je veux dire, en même temps, il faut dire, j'ai pas fait les choses à moitié. Je veux dire, je me suis bien coiffé, je me suis parfumé, je me suis bien habillé. D'ailleurs, ça, j'ai quand même longuement réfléchi. Hein. Au début, j'ai pensé venir en costume. Et là, je me suis dit « j'aurais un peu chaud. » Du coup, je me suis dit « Bah, je vais venir à torse nu. » Et là, je me suis dit « c'est les filles qui ont un peu chaud. » Quoi, c'est vrai, sérieux, non? Simplement, est-ce que quelqu'un, qui ici a vu le film Thor? Vous savez, le grand blond, qui quand tu sors de la salle du ciné, ton copain il te fait toujours « Ouais, demain je vais aller à la muscu. » Voilà, bah, j'ai joué dans ce film. Les abdos de Thor, c'est moi qui les joue. Quoi, vous me croyez pas? Vous voulez voir un peu? C'est un peu vexant qu'il y ait plus de mecs qui crient que de filles, mais c'est pas grave. Vous êtes prêts? Vraiment prêts? Non, je pense que c'est pas raisonnable. Hein. J'ai pas envie de briser des couples, des mariages, je sais pas. Alors, attention à les femmes. Mesdames, s'il vous plaît, pardon. Ne vous faites pas d'illusions non plus. J'ai quand même des défauts. Hein. Par exemple, j'ai un gros, mais genre vraiment, vraiment gros, trop gros problème de confiance en moi. J'ai aussi un petit pénis, mais ça c'est un détail. J'ai droit à des boissons gratuites, donc ça compense pour les filles. Non, c'est pas vrai. Non, si je fais le malin comme ça ce soir, c'est parce qu'il y a pas longtemps, il y a eu la Saint-Valentin, j'étais seul, et c'est pas facile, surtout quand tous tes amis sont en couple. Moi, j'ai un pote, il est venu vers moi, et il me fait « Ouais, le resto, 100 francs. Cadeau, 70 francs. Les roses, 30 francs. Ça vient avec une fille dans son lit le matin, ça n'a pas de prix. Je lui dis « Parle pour toi, moi, elle m'a coûté 300 francs. » Alors ça, je trouve quand même génial le concept de la Saint-Valentin. C'est quand même le seul soir où tu payes plus cher pour coucher avec ta copine qu'avec une pute. Moi, ça me tue, hein. C'est... Mais bon. Non, moi, je dis ça, mais j'adorerais quand même avoir une copine. Hein. D'ailleurs, j'avais une copine avant. Elle, j'adore ne plus l'avoir, mais c'est autre chose. Non, sérieux, elle était super bizarre. Elle était déjà super susceptible, hein. Une fois, je l'ai emmené au resto et il s'est passé deux choses. D'abord, j'ai réalisé que je devrais trouver un travail. Et ensuite, pendant la soirée, je l'ai regardé et je lui ai dit « Waouh, chérie, ce soir, t'es vraiment magnifique. » Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit « Quoi? Parce que d'habitude, tu m'appelles, c'est ça? » Je lui ai dit « Si, chérie, c'est juste que ce soir, avec cette jupe... » « Quoi? Juste parce que j'ai une jupe, je suis une pute, c'est ça? Hein? Waouh !» Et elle est pas seulement susceptible, en plus, elle est bizarre. Il y a... Une fois, elle est venue vers moi, elle me passe la main dans les cheveux, elle me fait « Oh mon Dieu, t'as les cheveux trop secs. Tu sais ce qu'il te faut ? Du miel de castor. Ça va refructifier tes racines et ramollir tes fourches. » Elle a fait mieux que moi. Tu sais, je m'attendais presque à ce qu'elle sorte la bouteille, la pose sur la table et me fasse « Miel de castor, rends tes cheveux plus forts. » Mais je pense que le pire avec elle, c'est surtout qu'elle voulait jamais faire l'amour. Enfin si, arrivé un moment où elle voulait le faire. Bah oui, arrivé un moment où elle avait ses règles. C'est toujours à ce moment-là qu'elle venait vers moi et qu'elle me faisait « Oh mon Dieu, j'ai trop envie de toi !» Dommage, j'ai mes règles. Quelques jours plus tard, tu retournes vers elle. « Alors, toujours envie de moi ?»« Non, ça va, c'est passé. » Ok. Alors moi, je dis tout ça, mais il faut quand même avouer que maintenant que j'en ai plus, la première chose que je veux dire, c'est en retrouver une et on peut pas se passer de ça. Voilà, c'est tout pour moi. Joey, mesdames, messieurs. Je tiens à préciser que je parlais d'une paire de seins à la fin, on est d'accord. Hein. Merci.